Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau haul action. Donc une petite parenthèse avant de commencer, on a été au zoo de Péri des Ats samedi. Donc c'est un zoo qui se situe en Belgique à Brugelette. Et donc on a pris des petits souvenirs. J'ai pris cette assiette-ci pour mon Thiago, mon petit garçon. Donc c'est un panda roux. Et moi, comme j'aime bien les loups, bah, j'ai pris une magnifique tasse, regardez. Comme ceci. Donc là, pour l'instant, je déjeune un petit peu avec, mais elle ira sûrement dans ma scrap room. Je mettrai des stylos dedans. Ensuite, alors, danse de la joie. Ça y est, je l'ai. Enfin, enfin. Après un an d'attente, elle est là. Ça y est. Alléluia. Alléluia, je dirais. Donc, j'ai remarqué aussi, je suis retournée à Action aussi ces derniers temps, et j'ai vu qu'il y a des stocks partout, dans toutes les Actions, et dire qu'il y a un an, bah, c'est en rupture de stock au bout de 2 jours, et là, il y en a une dizaine. À chaque fois que je vais à Action, je les vois, je les vois. Alors, à l'intérieur se cachent des petits trésors. Ah oui, pour vous dire aussi qu'avec celui-là, parce qu'en fait, il y a des modèles de l'année dernière qui sont sortis. Et en fait, dans la vidéo de Mes envies créatives, elle avait fait une vidéo pour présenter bah, la plaque d'embossage. Et en fait, dans les nouveautés que j'ai, en fait, ce n'est pas les mêmes cadeaux. Donc, j'ai celle-ci. C'est des plaques 3D. J'ai celle-ci. Et j'ai eu en découpage, c'est des petits dies, voilà, comme ceci. Avec des petites fleurs, des feuilles. Bon, j'aime pas trop, j'aurais préféré les anciens avec les ronds, tout ça, mais tant pis. Mais j'en ai acheté quand même à Action. Je les ai quand même déjà, voilà. Bon, j'ai fait des petits tests, c'est super, c'est top. Ce sera mon nouveau joujou. Alors, ensuite. J'ai pris des petits flacons comme ça de boutons. Je me suis dit pour l'album de naissance de mes garçons, de mes garçons, ou des trucs marins, mais c'est plus pour la naissance. En turquoise. J'ai regardé sur Pinterest des choses à faire avec des boutons, du bricolage à faire. Alors, ensuite, j'ai trouvé que deux modèles. Alors, ces deux modèles-ci, et je voulais absolument le loup. J'ai dit, ah, il me faut le truc avec du loup. Et ça va sur celui-là. J'ai envoyé avec que ces deux modèles-là, donc ça va. Alors, le tigre, et puis derrière, bon, vous connaissez, hein, il y a tout ça, vous avez déjà vu. Et donc, celui de l'éléphant, il y a les deux. Alors, je crois qu'il y a le. C'est le renard ou un loup. Là, là, là et là. Il y a deux différents. Donc, c'est bien. Pas focus parce que je bouge. Voilà, ensuite j'ai pris un glitter dans le rayon enfant. J'ai été voir un truc. Je recherche désespérément les diamond painting, les grands diamond painting avec les tortues, tout ça, mais il n'y a pas encore. Donc ce sera pour après dans mon action. À chaque fois que je vois des trucs, il arrive bien après dans mon action, même ça. Et puis les traveler notebook. Donc voilà, j'ai pris ça. Je me suis dit, avec ma nouvelle machine, je vais faire des petites découpes dans le glitter. Ensuite, bah, je voyais sur des hauls ça. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre pour commencer des albums, tout ça, même du noir. Du noir, je voulais acheter du papier noir et en fait, à chaque fois, je me tâte à acheter. Et donc du coup, bah, là, j'ai trouvé pas cher. Donc du cardstock, du blanc et du papier noir. Ben, j'aurais dû en prendre deux. Je prendrai un autre la prochaine fois. Là. Ensuite, je regardais ben, les nouveautés tampons. J'avais vu qu'il y avait des nouveautés. Et donc ceux-là, les mignonneries avec le hérisson, le cerf, tout ça. Et il y a un autre modèle aussi trop mignon que je n'ai pas trouvé. Donc en attendant, j'ai celui-là. Alors, pour les cheveux ou pour Noël, le Festival Colors, j'ai pris ça. Des paillettes.
En fait, il y a plusieurs sortes de celui-là. Il y a un peu mix et puis du argenté. Et j'ai vu qu'il y a une autre sorte avec du bleu ciel et du comme ça. Du bleu ciel ou de celui-là. Donc, il y a plusieurs sortes. Ensuite, j'ai pris le All Purpose Cleaner. Voilà. Pour la cuisine. Ben, des fois, c'est la cuisine ou la salle de bain. Voilà. L'année dernière, j'avais pris le jaune, je crois. Le jaune, non, c'était le vert, les sprays verts, et je m'en étais servi pour la cuisine. Ben, ils vont bien, j'aime bien. Voilà. Bon, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Allez, sur ce, bah, je vous dis bonne rentrée à tous. Moi, ça s'est bien passé. Mon fils est rentré en CE1. Thiago il est rentré en moyenne section, mais c'est difficile ces temps-ci. Il fait des crises quand je le dépose le matin, quand je redépose après manger à la maison. Donc, j'espère que ça va vite se passer. Parce que c'est un peu pénible. Donc sinon, je vous souhaite à tous une bonne rentrée et puis une bonne journée. Et puis à bientôt. Ciao!